De retour donc avec mon invité Michael Sheehan, qui est juge à Québec. Bonjour Monsieur Sheehan encore une fois. Bonjour Monsieur Bujon. Bonjour, on parlait donc, les gens qui viennent de se joindre à nous, du sujet d'aujourd'hui qu'on parle avec vous. En fait, c'est le suicide au Québec, un sujet fort important avec beaucoup de décès à chaque année. On parle de 4-5 suicides chaque jour. Comme vous disiez aussi, c'est pas juste les 4-5 suicides, c'est les 120 à 150 nouveaux endeuillés, donc des personnes qui gravitent autour de la personne qui s'est suicidée. Et comme vous disiez, souvent, on va investir des sommes, puis vous parliez tout à l'heure de méningite, mais j'entendais parler aussi d'accidents d'automobile, par exemple, d'accidents de la route, où quand il arrive des accidents, ben on va refaire un tracé de route, etc., pour pas qu'il arrive d'autres accidents. Donc, on prend des précautions pour sauver des vies. Et justement, c'est intéressant d'en parler, parce que je pense il y a toutes les façons ne sont pas bonnes pour parler de suicide, surtout dans les médias. On a une responsabilité en tant que personne qui, comme nous, par exemple, qui ont fait une émission de radio, on doit en parler de façon particulière, les médias aussi, la télévision, tout ça. Alors, comment vous voyez ça? De quelle façon on devrait en parler dans les médias? Bien, dans les médias, écoutez, prenez les fabricants de voitures de 4x4, là, hein? Quand ils font de la publicité, là, hein? Ils ne montent pas leur voiture en train de faire des tonneaux. Hein? Oui. Donc, il y a une façon de faire et une façon où il ne faut pas faire, hein, quand on veut passer un message. Et en matière de prévention du suicide, il y a des choses qu'on peut dire, puis les médias peuvent jouer un rôle très, très important. D'ailleurs, ils ont commencé depuis quelques années à le jouer, puis ils collaborent très bien, puis ça fait une grande, grande différence. Les médias renseignent le public d'une manière incroyable. Mais prendre le cas d'une personne très connue qui se suicide et en parler jour après jour et revenir dessus, puis donner des détails. Son angoisse, ouais. Et comment il s'est pris pour le faire, puis tout ça. Ça n'aide pas. Hein? Non. Montrer des photos d'un pont où deux jeunes ont sauté en bas, là, c'est pas avec des taches de sang où ils sont arrivés sur le béton. Ouais. Ben, c'est pas. Il n'y a rien d'aidant là-dedans. Non. Hein? Et ça peut même affecter très négativement quelqu'un qui vit déjà une détresse. Mais à l'inverse, là, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on peut dire, et ça se fait de plus en plus, pour aider les gens, pour les renseigner, leur dire qu'est-ce qu'on peut faire quand un ami songe au suicide, et quel réflexe individuellement, là, quel est le rôle de chacun de nous, comme individu, comme citoyen. Oui. Il y a une chose, à mon point de vue, pour stopper le processus, là, pour diminuer le taux de suicide au Québec, là, d'abord, c'est de faire en sorte que comme objectif, là, de viser que chaque personne suicidaire reçoit l'aide professionnelle dont il a besoin. Et pour ça, là, ça prend l'intervention des proches. Ça prend des proches et des amis, des collègues de travail vigilants. Des gens qui n'ont pas peur de prendre les devants, qui, lorsqu'ils savent ou qu'ils se doutent le moindrement qu'un ami, un proche vit des difficultés d'ordre psychologique, d'aller le voir. De s'arrêter, de s'asseoir avec, de lui dire, écoute, je viens d'apprendre que, bon, tu as perdu ton emploi, toi et ton épouse, vous vous séparez, ou un de tes enfants, il y a telle maladie, n'importe quoi, là, hein? On s'assoit et on lui dit, ça doit être difficile, aimerais-tu m'en parler? Puis là, on écoute, hein? En autre mot, on intervient dans la bulle privée de l'autre, mm-hmm. OK? Et après qu'on l'a écouté, hein? Si on a le moindre doute à l'effet qu'il puisse se retrouver ou se voir, lui, au bout de son rouleau, on pose les vraies questions. Est-ce que tu penses au suicide? As-tu choisi un moyen? As-tu décidé quand? As-tu décidé où? Etc. Hein? Et là, dépendant des réponses, on agit, hein? On n'hésite pas. Si on a le moindre doute, là, hein? Oui, il y pense, puis
tout cas, dès qu'il y pense, là, c'est grave. Il c'est a besoin ça. d'aide. C'est que ça peut arriver, là, s'il y pense, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, hein? Et s'il pense, là, il faut pas attendre, là, qu'il passe à l'acte, là. C'est ça. Parce que 50 % des personnes, on a l'impression, ben, tentative, c'est pas grave, mais 50 % des gens qui se suicident le font à la première tentative. Alors, mettons-nous pas dans la tête, je vais attendre qu'il fasse une couple de tentatives pour agir. Hein? Il faut prendre les devants, agir avant, en amont, tout le temps. Alors, notre rôle, là, c'est d'insister, de lui dire, écoute, j'apprécie énormément que tu m'en aies parlé. OK? Je savais qu'on était des amis. Puis je suis très content que tu me considères suffisamment pour me faire la confidence que tu viens de me faire. Mais je trouve ça inquiétant. Et moi, comme ami, je veux pas me tromper. OK? Je veux qu'on fasse ce qu'on doit faire, ce qui est de mieux. On va aller consulter. On va aller chercher de l'aide. On va appeler, hein, dans une ligne d'écoute, etc. Oui. L'idée étant d'insister pour qu'il obtienne de l'aide professionnelle. On laisse pas ça là. Même s'il dit, parle-en pas à personne. Ça, c'est la pire affaire, ça serait de garder le secret. On fait pas ça. Qu'est-ce qu'on ferait? Comment on se sentirait si, après avoir gardé le secret, hein, il fait? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dirait à sa conjointe, à ses enfants, etc., sachant qu'on aurait pu faire de quoi puis on l'a pas fait? Parce que les gens, souvent, sont peut-être timides ou ils sentent qu'ils vont s'immiscer dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'ils sont pas portés à faire ça. Mais votre façon de faire semble fonctionner tout à fait, là. Ben là, en tout cas, c'est vrai, on a une conception perverse de la vie privée, vous savez. Oui. Absolument. Et ça nous déjoue et ça nous coûte cher. Et quand on y réfléchit, là, hein, c'est inscrit dans les chartes, là, le droit numéro un, le droit fondamental numéro un de chaque individu, c'est le droit à la vie et à sa sécurité. La Charte québécoise énonce en toutes lettres que lorsque la vie d'une personne, d'un être humain est en péril, il a droit au secours. Et le corollaire, on insiste, on le dit, c'est que toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril. Donc, quand on intervient pour aider, on ne viole pas un droit fondamental, on respecte le droit. Le plus important, son droit à la vie et à la sécurité de sa vie. Oui. Puis, c'est l'objectif numéro un d'une société. Hein? Pourquoi qu'on vit en société? Hein? On vit en société parce qu'on veut bénéficier de l'aide des autres. Et surtout, on veut bénéficier de la protection que l'ensemble peut nous offrir. Oui. Et pas juste les services, mais la sécurité. On en a beaucoup parlé suite au 11 septembre, là, quand tragédie à New York, la sécurité, puis bon. C'est vrai. Mais quand même, hein, on n'a pas besoin d'attendre une tragédie. Ça demeure une réalité constante. Oui. Hein? Et comme citoyen, comme en tout cas, sur le plan moral, sur le plan de l'ami, sur le plan de philosophique, sociologique, sur plusieurs plans, hein, on est interpellé et on doit agir. Et comme vous disiez aussi, c'est un geste tellement irréversible qu'on n'a pas le droit d'ignorer ou de ne pas tenter tout, même si jusqu'à un certain point, on est un petit peu insistant. Je pense que si on peut sauver une vie, on va en être très content par la suite et la personne qui va avoir été sauvée va sûrement être très reconnaissante. Absolument. C'est ça. Si on veut se sentir bien, hein, c'est à poser un geste comme celui-là. Mmh. Si on veut se gagner un ami pour le restant de nos jours, la personne là, vers qui on intervient comme ça, hein, et qu'on peut amener à obtenir de l'aide, il va se rappeler de nous pour à tout jamais. Moi, je reçois des témoignages, là, j'ai pas besoin de prendre de drogue, moi, là. Ça fait couler l'adrénaline, c'est incroyable. Vous avez votre dose dose, là. J'ai mon fixe. Oui. Et en anglais. Mais, vous savez, M. Bugeaud, ce qui est extraordinaire, là, dans
la petite démarche là, dont on parle, hein, d'intervenir pour aider quelqu'un en difficulté, puis pour s'assurer qu'il obtienne de l'aide, c'est que ce qui est extraordinaire et merveilleux, c'est que ça, on n'a pas besoin de la permission de personne pour agir en ce sens-là. Hein. Ça dépend, notre agir dépend uniquement de nous. Il n'y a aucune contrainte budgétaire ou gouvernementale là, qui peut nous empêcher d'agir. Il suffit simplement là, de prendre nos valeurs, hein, notre générosité, nos convictions, notre à titre d'amis, de proches, de collègues, et de le mettre en marche. Hein. Ça sert à quoi d'avoir des valeurs si on ne les fait pas fonctionner? Exactement. Et ça sert à quoi de vivre sur la Terre si on n'est pas valorisé, si on n'essaie pas justement de créer des liens et d'avoir une vie remplie, mais humaine aussi, pas juste remplie de biens matériels. On parle souvent d'une solidarité, hein, la solidarité humaine. On parle du fait que, comme être humain, on est tous membres d'une même famille. Oui. Ben, bon Dieu, il faut rendre ça fonctionnel, c'est vrai. C'est vrai tout ça, oui. Ces belles idées-là là, qui remontent, dont les philosophes nous parlent, les savants, depuis le début du temps, on peut retourner dans l'Antiquité grecque, on en parlait. Hein? Et même dans tous les textes chrétiens, si on veut parler comme ça. La société judéo-chrétienne, oui. C'est tous ces idées-là viennent de là. Mais la solidarité, il faut que... qu'elle soit fonctionnelle, oui. Qu'elle soit réelle, qu'elle donne des résultats. Qu'elle fasse une différence. Oui, c'est vrai. En tout cas, ça, c'est la façon d'en faire une différence. J'espère en tout cas que, M. Chien, qu'on a donné le goût aux gens d'intervenir. Si au moins on pouvait éviter quelques suicides, on aimerait ça qu'il n'y en ait plus du tout, mais malheureusement, la situation est comme elle est. Peut-être un jour, on assistera à beaucoup moins un taux beaucoup moins important. Mais il y a un numéro de téléphone, je pense. Est-ce qu'on peut donner le numéro de la ligne d'écoute? Oui, il y a le numéro à la grandeur du Québec qui nous branche avec quelqu'un au niveau local. C'est le 1-866-APPEL. Oui. APPELLE. Le 277-3553. C'est ça. Donc, c'est une ligne d'écoute. On va le mentionner tout à l'heure. Et ça fonctionne. 7 jours semaine, 24 heures par jour, il y a des gens extraordinaires avec que je connais, avec qui j'ai travaillé. Ils sont merveilleux, ils sont jeunes et généreux, dynamiques, ils sont compétents, ils sont pleins de compassion, ils écoutent. Sans juger, évidemment. Sans juger, absolument. C'est ça. Absolument. Merci beaucoup, Michael Sheehan. Ça a été vraiment très généreux de votre part, d'abord pour nous parler de votre histoire personnelle, qui n'est pas facile à vivre. Puis je pense que c'est pour nous donner aussi la générosité de nous donner toutes sortes de trucs, puis de partager avec nous, en fait, l'espoir, parce qu'on sent beaucoup d'espoir dans votre façon de parler. Fait qu'on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission Folie Douce. Si j'ai beaucoup d'espoir, M. Bugeaud, c'est parce que je sais que ça fonctionne. Oui. Je l'ai vu fonctionner. C'est excellent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on espère que les gens vont appeler justement les gens qui ont besoin d'aide au 1-866-APPEL. Donc, si vous avez des problématiques, que vous vous sentez mal, vous avez des idées suicidaires, alors vous pouvez appeler en tout temps. Absolument. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et bonne continuité surtout. D'accord.